Arrivé par convoi ferré des usines Jake Alstom de Belfort, le stator, élément fixe de l'alternateur, va trouver sa place dans la salle des machines de la tranche 1. Une tour de manutention a été spécialement conçue et édifiée pour hisser ce mastodonte de 375 tonnes. La taille imposante de ce composant nécessite l'intervention des topographes lors de l'opération. Ils vérifieront les mouvements de la structure de levage. L'ascension commence. Lente. Son évolution est à peine visible. 15 mètres plus haut. Les mécaniciens s'apprêtent à réceptionner le stator. Débute alors un enchaînement de gestes pour amener le stator dans l'axe d'alignement de la turbine. Cette opération nécessite une précision d'horloger suisse. Colosse, enfermé dans une structure métallique, poussé par des vérins, va centimètre par centimètre gagner son emplacement définitif. Pour faciliter l'opération, les rails sont à maintes reprises lubrifiés. De ce laborieux cheminement, le stator, positionné sur un pivot, entame une rotation à 90 degrés pour enfin être logé dans sa trémie.